Cette histoire commence à l'aube du XXe siècle, du côté de Melilla, enclave espagnole au nord du Maroc. Sur un tout petit territoire peuplé de tribus berbères, un certain Abdelkrim allait créer un embryon d'État, tenant tête à l'Espagne, puis à la France, pendant plusieurs années. Avant d'être exilé à l'île de la Réunion, où il est filmé ici comme un piètre trophée de guerre, en avril 1927. La guerre du Rif a fait des dizaines de milliers de morts, laissé un pays et une population dévastée par les bombardements et les armes chimiques. Abdelkrim s'évadera au cours de son transfert en France, en 1947. Après avoir trouvé refuge au Caire, il y sera enterré en 1963, comme une grande figure du monde arabe, sans avoir jamais pu remettre les pieds dans son pays.